Le ministre compte sur vous pour la sécurité. Elle marche ta camionnette? Oui, inspecteur. Voilà. Le commissariat de Tampi, venez vite au BRC. Il y a un fou furieux qui veut tuer tout le monde. Allô, c'est juste derrière le service social. Oh, laissez-moi! Laissez-moi! Chien! Ok, on vous écoute. Et gare à vous si vous ne dites pas la vérité. Monsieur Paulin. Je jure, je ne le connais pas. Tu ne me connais pas? Non. Moi, je te connais. Hé. Vous n'avez pas droit à la parole. C'est Paulin qui parle. Compris? Hein? Vous savez pas que vous ne devez pas manger de la cola pendant l'audition? Gaffari. Ah. Aïe, ce n'est qu'une cola, inspecteur. Vous pouvez continuer. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Ok, vous avez la parole. Je te connais. Tu veux voler ma parcelle? Voler ta parcelle? Ça, c'est quelle histoire, ça? Calmez-vous. Et expliquez-nous de quoi il s'agit. J'étais au village pour cultiver. Je suis revenu avant-hier. Hier soir, des camions viennent de poser du sable et du gravier sur ma parcelle. Je veux parler, le chauffeur me menace. Ta parcelle? Je ne comprends pas. J'ai mon permis urbain en règle. J'ai acheté mon terrain il y a 3 mois et je n'ai jamais vu quelqu'un là-bas. Je vous dis que j'étais au village pour cultiver. Ok, vous avez vos papiers? Oui. Les voilà. Ce n'est pas ça. Ça, c'est le numéro qu'on donne pour les lotissements. Ça, c'est le reçu des cotisations avant les lotissements. Je veux le permis. Le permis urbain d'habiter. Je n'ai pas d'autre papier. C'est quel lib-lib que vous voulez me faire? Nous ne faisons aucun lib-lib ici. Nous voulons juste éclaircir cette affaire. Monsieur Paulin. Oui. On peut voir votre permis urbain d'habiter? J'ai une photocopie. L'original est à la maison. Dans ce cas, Briga. Justice. Vous irez avec Jacou amener les deux prévenus. Vérifiez s'il s'agit de la même parcelle. Mm-hmm. Pendant ce temps, Roque et moi, nous irons à la mairie pour des vérifications. D'accord. J'ai un ami là-bas. Ok, on y va, allez-y. Allez. Hé, mon cousin. Hey, confisqué. Allez, debout. Bon, on vous écoute. Nous sommes sur la parcelle. Cette parcelle? Oui. Mm-hmm. J'habite à côté, dans la maison, mm-hmm. avec ma femme et mes deux enfants. Depuis bien avant le lotissement. Mm-hmm. Et vous, monsieur Paulin? C'est bien la même parcelle. Quoi? Cette parcelle-là? Oui. Je l'ai achetée avec un démarcheur. Ah, là, il y a un problème sérieux. Bonjour, Moussa. Bonjour. Tu as un problème? Cet individu prétend que ma parcelle est sa parcelle. Elle plaisante. Hé! Hey, tu penses que la police de Tampi est là pour plaisanter? Fais attention à ce que tu dis. Pardon, chef. En tout cas, on ne le laissera pas faire. Écoutez, on retourne à la base. S'il te plaît, Pascal,
C'est pour tout juste vérifier le numéro du paysan. Écoutez, si jamais ça se sait, je risque d'avoir des problèmes. Rassure-toi, à la police, on ne dévoile jamais nos sources d'informations. Par amitié pour toi, je t'apporte le registre. Mais vous le consultez sur place et juste pour une minute. Merci beaucoup, tu es très gentil. Faites-moi voir le numéro. Numéro 111, 112, voilà 113. C'est bizarre. Le nom écrit en face, c'est Kambiru Paulin. Nulle part, il n'y a Oudrago Moussa. C'est pourtant un numéro officiel. Ça, c'est pas normal. Il y a un problème. Quelqu'un a donc trafiqué. Mais qui? Beaucoup d'agents de la mairie sont attributaires de plusieurs parcelles. Il y a un démarcheur qui gère tout ça. Je dois en savoir beaucoup. Mais où est-ce qu'on peut le trouver? Il a son QG au maquis le connaisseur. Ok. Tu vois ma princesse de Thomas Hill, je ne peux pas t'apporter n'importe quoi. C'est vrai ça? Oui. Tu sais, dans ce domaine-là, je te fais entièrement confiance. Bonjour Poupette. Bon appétit. Merci mon commissaire. Chocho. Oui. On vient passer son temps devant Poupette. En fait, je suis venu lui filer des informations. Écoute, tu ferais mieux d'aller vendre ton café que de venir passer ton temps devant Poupette. C'est compris. Ok. Avez-vous trouvé quelque chose? Mon commissaire, il y a des pratiques louches dans l'attribution des parcelles. Le nom de Moussa ne figure nulle part. Nous voulons un mandat pour avoir accès à un certain nombre de documents. Un mandat? Est-ce vraiment nécessaire en ce moment? Allez, avancez là, avancez. Allez, on avance. Mon commissaire? Vous en avez mis du temps? Vous êtes passé par un kiosque permis ou quoi? Non, inspectrice. Nous sommes passés chez Paulin pour récupérer l'original du permis urbain d'habiter. Voilà. Et c'était très loin, hein? Ah, c'est bien ça. Mais comment ça s'est passé sur le terrain? Ah, mon commissaire, il y a des voisins qui ont tous confirmé que la parcelle appartient à Moussa. Et ils veulent que la lumière soit faite sur cette affaire. Car il y a beaucoup de cas similaires dans ce quartier. Écoute, Brigard, tu es sûr de ce que tu dis? Hey, c'est pas moi, ce sont les voisins qui ont dit ça. Monsieur Paulin. Oui. Avec qui vous avez acheté votre parcelle? Avec un démarcheur qui s'appelle Sibi Sibiri. Vous avez dit? Sibi Sibiri. C'est bien ça. Bon, Mouna et Rock, vous restez. Brigard et les autres, attendez-moi au secrétariat. Ok, mon commissaire. Allez, dehors. Venez. Je voulais vous informer que c'est avec la même personne que j'ai acheté ma parcelle. J'espère qu'elle n'est pas concernée. Ne vous inquiétez pas, mon commissaire. Nous allons tout vérifier. Mais qu'est-ce que c'est pas là? Depuis là, on t'attend, tu vois pas. Excusez-moi, monsieur. La viande n'était pas cuite. Bon, dépose ça. Tiens. Merci beaucoup, monsieur. Merci bien. Ma chérie. Et mon histoire de moto, là. Ta moto? Oui. C'est une petite affaire. Demain, je te paye ta moto. Inspecteur Mouna et Rock du commissariat de Tampi, veuillez nous suivre. Vous suivre? Pourquoi? Vous avez un mandat? Voici la convocation. C'est une convocation? Je vais quand je veux. Vous venez avec nous et tout de suite. Vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous le saurez au commissariat. Allez! Laissez-le! Mon commissaire. Oui, Mouna. Nous avons pu mettre la main sur Monsieur Sibi Sibiri. Bien, Mouna. Monsieur Sibi Sibiri, connaissez-vous Monsieur Paulin? Monsieur Sibi, répondez.
Vous me connaissez. C'est vous qui m'avez vendu la parcelle au quartier Tampi, à côté de la petite mosquée. Hein? Le commissaire vous parle, vous ne voulez pas répondre? À Tampi, nous avons les moyens de vous faire cracher tout. Touchez-moi, vous verrez. À moi? Du calme, brigade. Du calme. Mon commissaire, on l'enferme jusqu'à ce qu'il crache la vérité. Oui! Essayez voir. Votre commissaire sait qu'est-ce que vous m'emprisonnez? Je peux faire tomber les têtes. Ah! Quelle charge on a contre lui? Bon, écoutez, si on n'a rien contre lui, il faut le libérer. Quoi? Mon commissaire, je ne suis pas d'accord avec vous. Écoutez, Mouna, c'est un ordre. Monsieur Sibi, vous pouvez partir. Et ma parcelle? Ben, il faut faire un arrangement à l'amiable avec Monsieur Paulin. J'ai acheté normalement ma parcelle et j'y tiens. Tout au plus, je peux dédommager cet homme. Ma parcelle ou rien? Sinon, je vais faire payer très cher celui qui l'occupera. Y'a bien gagné cela. Hein? Hey, Monsieur Paulin, vous avez intérêt à écouter ce qu'il dit. Hein? Suivez-le, essayez de le convaincre. Jamais! Je n'ai pas peur de ses menaces. Quoi? Bon, écoutez, vous, tout le monde dort. Allez, hop. Commissaire. Tout le monde dort, j'ai du goût. Tenez, vous boirez un coup à ma santé. Je ne veux pas de votre argent. Et vous, madame? Tiens, mon brave ami, c'est un cadeau. Vous boirez après. Merci beaucoup. Agent Oyou! Chef. Pourquoi tu as accepté cet argent? Il m'a pris de vitesse. De vitesse? Mais tu vois pas que nous deux on a refusé? Chef, il m'a même pas laissé le temps de réagir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait alors? Tu fais honte à la police. Monsieur Pascal, il est sorti? Pascal a été muté ailleurs. C'est moi qui occupe en ce moment le bureau. Nous venons récupérer le registre pour des vérifications. Vous avez un mandat? Dans le cas contraire, il faudra que je prenne contact avec mes supérieurs hiérarchiques. Sortez tous vos rises ou sont arrêtés vos derniers lotissements. Et plus vite que ça, là. Il manque un registre, celui qu'on a vu la dernière fois avec Monsieur Pascal. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est tout ce que j'ai à ma disposition. Vous voulez qu'on vous envoie au Niouf pour entrave à l'action de la police? Pourquoi? Moi, j'ai rien à me reprocher. On va voir Monsieur le maire lui-même. Ok. Allô? Monsieur le maire. Ça, c'est pour qui? Ma blessure sucrée poupette. Je ne sais rien de tout ça. Mais si ce que vous dites est vrai, alors là, c'est très grave. Monsieur le maire, toutes les preuves se trouvent dans le registre qui a disparu. Merci de m'avoir prévenu. Je vais mener mes enquêtes. Et je vous promets que toutes les brebis galeuses seront sanctionnées. Merci, monsieur le maire. Je le remercie. Pour sa barca. On est cyclapé. On est cyclapé. On est cyclapé. Zalissa. Oui. Tu vois que j'ai eu raison de faire des histoires. Tout est réglé. Non seulement j'ai un permis et avec beaucoup d'argent pour construire une grande et belle maison. Regarde. À ta place, je me méfierai. Ce n'est pas clair. Tu le connais? Mais qu'est-ce que tu vas chercher encore? Il m'a juste demandé d'aller retirer ma plainte à la police. Je pense qu'il faut montrer tout ça à la police. Tu n'as pas tort. Mais c'est quoi tout ça? Hein? Madame,
Excusez-nous, veuillez attendre au secrétariat. Je vous en prie. Vous vous êtes bien foutu de nous, hein? Mais quelles sont ces manières? De quoi parlez-vous, là? Regardez ça. C'est bien votre signature qui figure. Non. Ce n'est pas ma signature. Comment voulez-vous qu'on vous croie? C'est très simple. Parce que je sais qui a signé ce document. Je vais l'appeler. Il va venir ici tout de suite. Excusez-moi une minute. Oui, allô? Oui, monsieur le maire. Il est là, ton patron? Non, il est absent. Oh, merde. D'accord, merci. Il n'est pas venu au bureau. Et je pense qu'on peut le rejoindre à domicile. Et c'est ce qu'on va faire. Okay. Parce que ça ne peut pas se passer comme ça. Elle vient chercher son PIA ce soir. Tu sais à quelle heure? Non. À minuit. Tiens, tiens, tiens. Mais c'est notre ami Sibi Sibiri. Monsieur le maire, quelle surprise! Qu'est-ce que vous faites chez moi avec la police? Cette signature sur le PIH, c'est bien la tienne. Monsieur le maire adjoint, veuillez nous suivre. Allez, avance. Monsieur le commissaire, j'identifiais les parcelles délabrées et inhabitées. Puis avec le maire adjoint, on faisait des périmètres d'habiter. Avec sa signature. Et on les revendait. Et à ce jeu, combien de parcelles avez-vous ainsi vendues? Commissaire. Oui, Jacou. Pascal, un agent de la mairie insiste à vous voir. Eh bien, faites-le rentrer, surtout qu'il est de la mairie. Tout de suite, commissaire. C'est intéressant, ça. Oui, bonjour, monsieur. Asseyez-vous, monsieur. Je m'appelle Pascal Cavori. Je travaille directement sous les ordres de monsieur le maire adjoint. Ah bon? Oui, nous vous écoutons, monsieur. Je vous apporte le registre contenant toutes les preuves de leur tractation. Avec ça, je voulais les obliger à annuler ma mutation. Tiens, tiens. Mais monsieur Cabori, vous êtes un excellent citoyen. Le pays a besoin d'argent comme vous pour avancer. Monsieur Moussa. Oui. Vous êtes un brave citoyen. Cet argent et le PIH vous sont remis pour construire votre nouvelle maison. Tenez et faites-en un bon usage. Merci. Monsieur Paulin. Oui. Voilà votre permis urbain d'habiter également. Mon commissaire. D'accord. Oui, ou a quelque chose à dire. Mon commissaire. Ouais. Monsieur Sibi nous a remis ça pour boire. Quand vous l'aviez libéré. Tiens, tiens, tiens. Nom de Zeus. Bon, écoutez, cet argent va servir à financer les menues dépenses du commissariat de Tampi. OK? Monsieur le maire adjoint, monsieur Sibi, vous voyez où ça peut mener l'appât du gain facile. En attendant... Les gars, vous avez fait un travail excellent. Je tiens à vous féliciter. Mais avant, bouclez-moi ces deux délinquants en attendant leur transfert au parquet. Au commissariat de Tampi, tout finit par se savoir. Même les délinquants au col blanc sont arrêtés. Allez, en prison!